J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux tester quelque chose avec vous. C'est une petite vidéo. Alors, c'est avec ce Minecraft et ce Minecraft. Vous voyez, Acid Launcher et Acid Launcher, c'est lui. Et puis, c'est Pacific Launcher. Voilà. Et on va essayer en fait aujourd'hui de transférer un monde dans celui-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, déjà, vous faites cliquer sur ce qui fait ça là. Comment ça s'appelle? Voilà. Quand vous cliquez là-dessus, ça fait ça. Voilà. Ça met ça. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur R en même temps d'un seul coup. Alors, on met le temps, j'ai dit. Voilà. Dégage. Et là, ça vous met ça et vous mettez data pack. Vous là, vous mettez A, vous mettez pourcent A data pack pourcent. Et après, vous mettez entrée. Vous mettez entrée. Vous attendez que ça charge, bien sûr. Voilà. Donc là, vous arrivez dans AZ Launcher, Minecraft et Pacific. Donc ça, c'est mes trois launchers. Je vais moi dans Pacific Launcher. Je vais aller dans Save. Donc c'est les mondes. Et on va prendre le monde, par exemple, Titanic. Je sais pas pourquoi je prends ça. Et on va faire copier. Alors, déjà, faudrait. Alors, je veux prendre le dossier. Voilà. Il faudrait que j'ouvre. Attendez, non, non, on va pas faire ça. On va refaire ça une autre fois. Je vais faire ça. Voilà. Et hop, on l'ouvre une deuxième fois. On va dans AZ. Non, pas Minecraft. Oh là 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 là. AZ Launcher, voilà, donc là je suis dans AZ Launcher. Minecraft, c'est quoi? Non? Ah voilà, on va mettre save. Donc là on est dans le ce que j'avais mis quoi. On va retourner dans save de l'autre. On va prendre ça. On va aller dans save de celui-là. Voilà, et on colle. Ah, attention. Et puis là, les amis, si ça a marché, le Titanic doit être mis avec l'autre. Du coup, on va pouvoir aller voir. Alors, on va fermer ça, s'il vous plaît. On va aller voir ici, ici. À la fin, je crois que c'était, non? Donc là, j'ai un monde en 1.12. C'est en celui-là que j'ai mis ou c'est dans l'autre? Bah non, ça n'a pas marché, là. Les amis, ça y est, ça a marché. Il est là. Titanic est là, alors que quand je vais dans Pacific Launcher, je vais dans Solo. Le Titanic, il est en haut. Attendez. Voilà, et là le Titanic à moi il est. C'est-à-dire que je peux transférer des mondes dans un autre monde. Oh, c'est génial ça. Non, pas ça, Titanic, Titanic. Ah oui, j'ai pris Titanic du coup, et puis du coup je l'ai transféré ailleurs. What? Ouais, du coup je l'ai transféré ailleurs. Hop, et on va pouvoir lancer Titanic et on va voir. Ok les amis, je me suis mis dessus Titanic et ça y est, il est enfin mis dessus celui-là, voilà, c'est bon, j'ai réussi à mettre dessus ça. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu comment on fait pour mettre une map sur une map. Et j'avais envie de tester autre chose. Est-ce que du coup c'est vraiment la même et tout, c'est vraiment tout pareil? Ouais, il y a l'iceberg que j'ai construit, il y a le Titanic, il y a tout, 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 tout. On va mettre le jour, hein. Team. Le jour, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Et je vous apprends en même temps quelque chose. Mettez on et hop, et du coup là vous pouvez utiliser des commandes. Du coup, je voulais mettre le jour. Mais je vais mettre le jour. Team 7. Voilà. Et là c'est mieux. Voilà, donc là on est sur le Titanic et tout. Et on va pouvoir transférer plein d'autres. Alors, moi ce que j'avais envie de transférer d'autres, alors si on va aller dans Data Pack, Save, et on va lancer aussi l'autre. Comme ça, voilà. Et du coup là on peut mettre tous les mondes que vous voulez dans l'autre Minecraft. Et ça c'est très bien ça, parce que je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Alors là il y a plein de mondes. Ah oui d'accord, je suis dans Save 2, non celui-là. Alors lui c'est lequel? Monde survie, Camille. Alors Camille, est-ce que c'est là-dedans qu'il y avait son monde? Oui, Camille il est là. Ok, bon, on va pouvoir alors retourner dans Save, celui-là. Et on va pouvoir essayer. Alors là, on a Tanguy. Je sais pas ce que c'est que ce monde. Mais on va mettre le monde au pif. On va mettre celui-là par exemple. On va le TP dans celui-là. Voilà, on va le mettre là. Et du coup, voilà, là il est mis. Et si on va dans celui-là. Et d'habitude. Alors, faut tout ce qui est pas en 1.10. Monde survie, non? C'est comment il s'appelle le monde? 1.12. D'accord, bah je comprends pas. Il y est pas là.
Du coup, là, le monde, il est là. Titanic. Alors, Titanic, il est là. Faut que j'aille au Titanic. Point 10. D'accord, bon, ben, ça a pas marché, celui-là, par contre. Titanic, ça a marché. Et pourquoi ça a pas marché? Je veux une explication. Du coup, je vais essayer de lancer un monde en 1.12.2. Ok, les amis, j'ai réussi à lancer le monde. Et ça m'a mis un truc comme ça. C'est quand même géant, par contre, ce qu'il y a. Je sais pas comment j'ai pu construire ça. What? C'est quoi ce monde? Bon, j'ai lancé ce qui est en 1.12.2. Mais là, moi, je suis pas en 1.12.2. Alors pourquoi? Est-ce qu'on peut faire spawn des monstres? Oui, on peut faire spawn. Oh, bon, on va en mettre là. Ok, bon, bah voilà. Ça, c'était pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait. Oh, il y a un vaisseau là. Regardez là. Non, arrête. Je suis pas un game. Bon, en vrai, un petit peu, hein. D'accord. Mais en tout cas, les amis, je voulais vous dire de vous abonner à la chaîne. Et si tu veux plus de vidéos, aujourd'hui, j'en fais beaucoup le samedi et le dimanche. C'est comme ça. Allez, les amis, c'était Tanguy. Bye bye, les amis. Et par contre, aujourd'hui, je vais sortir plus de vidéos, d'accord? Alors, ne ratez pas ces vidéos. Et je vais faire sortir surtout des maps et tout. Vous allez voir, ça va être stylé ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, les amis, Tanguy. Bye bye, les amis.